On va passer, si vous le voulez bien, les spécialistes au flop de cette semaine. L'incident au stade de la Licorne à Amiens, l'expertise a révélé que les barrières étaient mal fixées. Est-ce que ce n'était donc pas entièrement la faute des supporters lillois ? Emeline, on aimerait t'entendre sur ce cas-là. Bah justement, par rapport à ce qui s'est passé au stade de la Licorne, on en revient juste un petit peu sur les faits. En fait, pendant le match qui a opposé donc Amiens à Lille, sous le poids des supporters lillois, en fait, il y a un barrérage qui a cédé. Du coup, bah, les supporters se sont retrouvés sur la pelouse. Exactement. Alors, juste pour en revenir un petit peu sur cette histoire de flop, en fait, par exemple, m'a dérangé, c'est que de la part du club d'Amiens, non seulement d'abord il y a le président qui reporte complètement la faute sur les supporters lillois en disant que c'est pas de sa faute juste après le match, la faute du club, mais qu'effectivement les supporters lillois étaient un petit peu trop turbulents. Par la suite, 2-3 jours après, finalement ils s'excusent auprès des supporters lillois en disant que c'était peut-être pas que de leur faute. Et encore la semaine dernière, vendredi, donc on apprend que finalement en fait c'était donc des anomalies qui avaient causé cet incident, et que du coup c'était pas du tout la faute des supporters lillois. Et du coup, pour se décharger une fois de plus, ils disent que c'est pas de leur faute à eux, puisque finalement ils sont que locataires du stade et non pas les propriétaires, donc c'était pas à eux de s'en occuper. Alors, oui, pour rebondir là-dessus, Bilal, faut savoir que cet incident de Amiens a créé une vague d'indignation dans la plupart des clubs de supporters en France, parce que c'est vrai que la réaction qu'a eu le président d'Amiens à la sortie du match est proprement scandaleuse. Beaucoup de parkages visiteurs ne sont pas conformes à l'accueil des visiteurs, donc des supporters des équipes adverses, et particulièrement celui d'Amiens qui avait été pointé de nombreuses fois par différents clubs, notamment les Dogues Lillois. Les Dogues Lillois, pour nos auditeurs, c'est le principal groupe de supporters du LOSC, qui lors d'un match de Coupe de France avait déjà signifié quelques irrégularités. Bon, ils s'étaient déplacés à 150, donc c'est vrai que comparé à 1500, il y a une grosse différence. Mais il faut vraiment que les auteurs, si on peut appeler ça les auteurs, prennent leurs responsabilités. Explique clairement qu'ils n'ont pas fait les vérifications nécessaires, qu'ils ne s'attendaient pas aussi qu'il y ait un mouvement de foule aussi important. On a vu que Marseille s'était déplacé à 2000 ou 2500 supporters, il n'y a pas eu de problème parce que lors du but, tout le monde ne s'est pas agglutiné contre la barrière. Donc voilà, c'est bien facile de stigmatiser les supporters quand ça ne va pas. Emeline est là pour nous confirmer, mais quand les instances dirigeantes font mal leur boulot, il serait temps aussi qu'elles prennent leurs responsabilités. Alors Saïd qui nous a rejoint. Saïd, bonsoir Saïd, comment ça va? Ça va très bien et toi? Saïd, on enchaîne directement sur ce flop. Je rejoins l'avis de mes camarades. Ouais. L'attitude du club d'Amiens est tout simplement dégueulasse. De dire que c'est les supporters lillois qui ont été trop virulents. Ouais. En vérité, c'est le rôle des supporters d'être virulents. Et c'est à toi de t'adapter en fonction d'eux. Les supporters ne comprennent pas, Saïd. Bah oui. Faut rappeler aussi. Ils font leur rôle de supporters. Donc ils viennent, ils s'excitent, ils soutiennent leur équipe. Tu peux pas leur dire vous avez été trop virulents. C'est plutôt à toi de mieux adapter ton matériel pour l'événement, et de dire oui c'est pas notre faute le stade juste pas après le match, alors que voilà il y a eu comment c'est quelque chose de grave quand même. Tu dis il faut adapter ton équipement, mais quand même il y a de l'incompréhension aussi. Tu peux adapter aussi les supporters, voilà. Alors tu peux adapter les supporters, là en l'occurrence de base l'équipement était caduque, c'est à dire qu'il était déjà abîmé. Tu vois au Parc des Princes par exemple, la tribune visiteuse elle a été adaptée pour les supporters. Exactement, aussi c'est là en fait elle a été adaptée pour les supporters, c'est à dire que maintenant le parkage il est en bas pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens dans les étages supérieurs, à lancer des projectiles. La tribune, elle est adaptée. Les supporters se sont également adaptés. Ils ne font pas rentrer de tambours, ils ne font pas rentrer de drapeaux, de demain, etc. Là, à Amiens, de base, l'équipement est défectueux. Donc, tu ne vas pas reprocher aux gens qui ne font que célébrer un but. Si les mecs, ils avaient fait comme Rennes, envahissement de terrain, etc., là, ok. Y a une si par exemple, tu essaies d'envahir le terrain, après, il y a un phénomène, Simon. Ce genre de phénomène, on le voit dans tous les stades aujourd'hui. Alors, lequel, Victor? Tu peux le rappeler à tous les auditeurs. Le fait de célébrer un but en descendant les marches. Bien sûr. Faut le dire aussi. Dans certains stades comme au Paris Saint-Germain, ça. Donc peut la pas question se faire. Aujourd'hui, le stade Geoffroy Guichard, l'Olympique de Marseille, sur certains virages. Exactement. Au stade Audran, la question, c'est de savoir maintenant est-ce qu'on adapte les infrastructures en fonction des supporters, ou on adapte les supporters en fonction des infrastructures. La question, en fait. Mais la base, elle n'était pas adaptée. C'est en fonction des supporters visiteurs. Alors, c'est encore plus difficile à prévoir. Je pense que la question, sur ce débat, elle est plus éthique et déontologique. C'est l'attitude du club d'Amiens au-delà de l'infrastructure. Certes, l'infrastructure est défectueuse. C'est un problème, on va dire, matériel. Mais l'attitude du club qui se comporte comme ça en étant dans le déni, moi, je trouve ça beaucoup plus grave. Merci de le pointer et de le rappeler. Sur un point de vue moral, je trouve ça beaucoup plus grave que le matériel.
le matériel, ça serait pas. Ouais. Sauf que ça, c'est une violence psychologique que t'ajoutes. Et ça, c'est pas pareil. C'est une mauvaise communication de la part du président. Alexis, voilà. S'il vous plaît, Alexis. C'est surtout de la bêtise. Alexis, on écoute. Les supporters des précédentes équipes qui s'étaient déplacées avant les Lillois à Amiens, qui avaient investi cette tribune, qui avaient déjà relevé des anomalies, mais on a l'impression que leur parole, elle est passée complètement inaperçue, qu'elle ne valait rien auprès des instances dirigeantes. Et par contre, il y avait la commission, justement, qui avait évalué régulièrement cette tribune et qui n'avait pas relevé d'anomalie, c'est en tout cas ce derrière quoi s'était réfugié le président de la métropole amiennoise, qui est le propriétaire du stade en fait. Et du coup, lui, il s'est réfugié derrière ça. Et le problème, c'est que après ces révélations du rapport d'expertise, j'ai l'impression que tout le monde s'en renvoie la faute, s'en renvoie la patate chaude. Il faut plus de lumière qui soit faite pour déterminer les vraies responsabilités. Ouais. Voilà, il y a le club d'Amiens aujourd'hui, mais il y a aussi la commission aujourd'hui. Enfin, je sais pas, quand il y a un championnat débute, tu vas voir tous les stats, tu vas voir si elles sont homologuées ou pas. Certainement. Et je suis pas sûr que le travail ait été fait en tout cas. Emeline, s'il vous plaît, réaction d'Emeline. Surtout qu'avant chaque match, le club et non seulement le club, mais aussi la ligue et tout ça sont censés quand même anticiper les réactions des supporters. Donc à partir du moment où on n'anticipe pas assez bien les réactions, où on ne part pas du principe que ça peut arriver jusqu'à l'extrême, je suis désolée, on peut pas accepter d'accueillir une équipe ou d'accueillir des supporters si on n'est pas capable de les canaliser d'une part d'anticiper leurs réactions. Attention Emeline, parce que là tu vas quand même commencer à dénoncer les conditions de sécurité. Je dis ça par rapport au président du club d'Amiens qui reporte la faute tout le temps sur les autres et pas sur ce. Le président d'Amiens, à mon avis, a réagi à chaud en se disant il y a 150 ultras qui ont forcé la barrière. Voilà, j'ai eu des supporters de Marseille, il s'est rien passé, donc pourquoi à ce moment-là quoi. J'ai eu 2000 supporters de Marseille, il s'est rien passé, j'ai 150 ultras de. Alors Arnaud Le Quéré, on va écouter Arnaud. Concernant ce flop de l'équipe. En gros, c'est la faute à personne, quoi. Ouais, c'est la faute à personne. C'est ça. Mais bon, je crois que 25 ans après le drame de Furiani, on a. Ouais, le 5 mai 92. Les leçons, quoi. Mais c'est différent, là. C'est différent, alors. Bien moins justement. Furiani, il y a eu des morts. C'était une tribune ajoutée. En moins de 15 jours, il faudra prendre. Elle a été écroulée. Il faut retenir que les commissions sont assez rigides sur les stades quand les clubs passent en Ligue 1. Amiens, on sait que ça fait pas longtemps qu'ils sont en Ligue 1. Normalement, ils auraient dû faire un contrôle beaucoup plus poussé. Mais c'est là, Saïd, où je suis d'accord avec toi, mais attendez, on voit quand même qu'il y a certaines commissions. L'UZNAC. Moi, j'ai pas envie d'en sourire parce que ça fait péter un peu un plomb. Mais c'est vrai qu'on se dit en France, il y a des normes, qu'il y a des commissions qui sont faites pour tel match. On a des délégués aussi au bord du match, Simon. Et quand on voit des incidents, des accidents plutôt, de cette manière-là, on comprend rien. On va chez nos voisins belges, chez nos voisins luxembourgeois ou même suisse ou encore allemand. Mais ça n'arrive presque jamais. Mais parce qu'en Allemagne, ils sont adaptés. Enfin, les stats sont. Oui, mais quand même, on est adapté. On a reçu l'Euro 2016 et on en revient à ce qu'on disait la semaine dernière avec Simon. C'est pas le même public. C'est pas le même public, oui, mais quand même, c'est inquiétant. C'est que là, il y avait un rappel, il y avait des inspections régulières qui avaient été faites après. C'est ce qui a été rapporté. Et c'est un stade de l'élite quand même. On est en Ligue 1. Rien n'a été signalé. C'est ça qui est inquiétant. La différence avec l'Euro, c'est qu'on a vraiment mis l'accent parce que ça mettait en scène l'image de la France. C'est le stade de la Ligue 1, il n'a pas été retenu pour l'Euro. C'est un stade de Ligue 1, mais ça reste un petit stade. Voilà. Là, on a gardé des stades qui étaient déjà très bien entretenus. On a pris les meilleurs stades français. Et en plus, on a accru la sécurité dessus. C'est pas le petit stade de la Ligue 1 qu'on a mis à l'Euro. Et puis, pour rebondir sur ce que dit Saïd, le stade de la Ligue 1, c'est un stade qui a servi à la Ligue 1, la Ligue 2, aussi, le national. Bien sûr. Les parcages visiteurs étaient quasiment jamais. Il me semble qu'ils avaient des problèmes avec ça. Ils devaient déjà rénover le stade. Ils avaient eu des avertissements. C'est possible. Mais les parcages visiteurs étaient quasiment jamais occupé. Là, peut-être que l'accumulation, vu qu'on est en Ligue 1, qu'il y a des publics, Amiens étant quasiment au centre de la France, au centre de la France, au centre de la partie haut de la France, t'as beaucoup de clubs qui se déplacent en masse. T'as du Lille, t'as du PSG, je vous parle pas de Marseille, qui se déplace en permanence. Donc, à force, l'accumulation a peut-être fait que cette tribune s'est fragilisée et a cédé. Le travail au quotidien de l'entretien du stade et de la pré-homologation n'a pas été effectué. Non, que les responsables assument leurs actes et reconnaissent que le travail n'a pas été effectué. Comme les ultras assument leurs actes quand ils craquent des fumigènes ou s'embrouillent avec des supporters. Aussi, Simon, et merci de le dire aussi. C'est vrai, c'est pas faux. N'oubliez pas, vous pouvez réagir comme Myriam qui nous dit, justement sur la twittosphère, avec le hashtag LSC, que les stades français sont beaucoup trop vieux. Emeline, réaction ?
Sont beaucoup trop vieux. Ouais. Les petits stades peut-être, oui, mais pas les grands. Les petits. Dire, les grands tous, ont tous été rénovés récemment, justement pour l'Euro 2016. Peut-être qu'on parle de petits stades, mais après, je dirais. Petits stades comme un peu celui qu'on peut retrouver à Boer. C'est pas une question de rénovation, c'est une question du contrôle qui n'a pas été effectué, c'est tout. C'est vrai qu'en France, il y a quand même plein de stades nouveaux. Lille, c'est nouveau. C'est vrai. Nice, c'est nouveau. Le Parc des Princes, c'est très bien entretenu. Lyon, c'est nouveau. Marseille aussi. Donc on ne peut pas dire qu'en France. Alliance Riviera. Le Licorne, il était construit en 99. Mais là, il y avait déjà une vétusté qui avait été pointée, mais plus au niveau du toit que des barrières. Ah, carrément. Oui, il y avait un. Donc il n'y a pas que les barrières. Parce que les supporters lillois, ils n'ont pas énormément de chance, vu que la dernière fois qu'ils sont dépassés en Coupe de France, ils ont pris un morceau du toit dans Victor, pour éviter des choses similaires, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte. Commission. Non, je pense que Amiens a tout intérêt à s'adapter au comportement des supporters, c'est-à-dire qu'il fasse un stade qui est capable de répondre à tout danger, à toute sécurité que peut rencontrer un supporter aujourd'hui. Et je pense que dans nombreux stades en France, il est vrai que certains stades sont vêtus. On peut en trouver en Ligue 2, il y en a beaucoup, et si jamais un jour ils reçoivent beaucoup de parkages visiteurs, il faut vraiment que ça tienne aussi, quoi. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Bilal, si on regarde un petit peu ce qui se passe à l'étranger, c'est vrai qu'ils sont dans des solutions plus radicales. On voit que l'Atlético Madrid va détruire le Vicente Calderón pour en faire Calderón, un autre. Calderón, il avait quel âge? Alors, parce que là, je me pose des questions et je suis en train de... 90 ans? Non, mais non, je vous demande sérieusement. Vicente Calderón, parce que je suis en train de me poser une question toute bête. Sur Internet aussi, quel âge a le Parc des Princes? L'architecture est très très belle. La santé. Oui, non, mais c'est vrai, parce que quand même, ça fait. C'est 78-79 le parc. Ouais, mais tu vois, regarde au Parc des Princes. Ouais, mais ça fait. Bon, c'est tout bétonné aussi. Typiquement, le Parc des Princes. Ça tient. Non, je pense comme ça. Typiquement, le Parc des Princes, on l'a adapté aux supporters aussi. Il y a une fosse. Il y a une fosse, par exemple. Pas les moyens après. Il a été. À chaque fois, tu peux pas accéder au terrain, tu vois. Bien sûr. Le parkage visiteur a été complètement modernisé. T'as des chaises aussi. T'as des chaises aussi. Donc ça veut dire que tu peux pas faire ce que font les supporters. Oui, tu peux pas descendre en rafale. Voilà, tu vois. Typiquement, c'est des petites choses qui peuvent faire la différence. Parc des Princes, 1972. Ça y est, on termine avant la pause. Mon argumentaire, à l'étranger, quand ils ont des stades un petit peu anciens, le Vendôme et le Tropicana, ils se cassent pas la tête, ils en font un nouveau. Et pourtant, c'est des stades qui sont très bien. Non, mais c'est des stades qui sont très bien entretenus. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux renouveler un stade. Déjà, renouveler, c'est déjà bien pour des petits clubs. Hein. Regarde, Marseille a renouvelé son stade parfaitement. Ouais, bah voilà. Soit c'est juste pour faire un parallèle avec l'étranger, Tottenham aussi détruit son stade qui était très bien entretenu pour en faire un nouveau. Mais c'est pas pareil, c'est parce que. Non, mais je vais te dire qu'à l'étranger. Bientôt, nouveau stade, pourquoi pas pour le Paris Saint-Germain aussi. Je te dis pas qu'en France on doit faire ça. Je te dis juste qu'à l'étranger, ils prennent une solution beaucoup plus radicale. Comme ça, ils règlent le problème. Au moins, ils font des directives qui sont. Pas faux. En tout cas, pas faux. Vicente Calderón, il a été rénové en 1966. 66, ouais. Ouais, c'est bien ça. Hein, Arnaud ? Ouais, j'ai tout à fait. Regardé sur Internet. Par contre, le nouveau stade de l'Atlético est vraiment très très beau. Ah oui, l'Atlético, c'est ça. Le match entre le Barça et l'Atlético, ça donnait un charme assez fou quand même. Aïe, 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 vous resterez avec nous, chers auditeurs de Velmedia, en seconde partie de soirée, 21h-23h, car il y aura la chronique de Amin Sami, spécialiste dans le match dans le match. Ça promet et ça sera un spécial Atlético de Madrid, FC Barcelone. Vous restez avec nous, chers auditeurs. Le grand débrief sport du week-end, c'est sur VL, dans le Sporting Club de Bilal Nenman et ses spécialistes, chaque lundi de 19h à 21h.